Bonjour à vous, mes chers amis. Alors, hey, pour ce lundi. Alors, bien sûr, c'est intemporel, mais on va regarder tout de même au jour, pour au jour le jour, comme ça, ça peut être intéressant, comme d'habitude. Donc, lundi 3, nous voyons que vous avez en partie aussi la Terre, on vous parle de bon sens. Hein. Donc, l'essentiel, c'est d'avancer, coûte que coûte, mais de rester aussi aligné, centré, dans de bons termes, j'entends. Soyez rassurés pour ce lundi. Alors, ce lundi, l'énergie. Alors, on vous propose d'analyser activement, quand même, avec bon sens, faire le tri. Alors, il y a pas mal de choses, élaboration du travail. Donc, vous allez faire des organisations, de l'organisation, très certainement, ce lundi. Donc, pour au moins équilibrer, paramétrer tout ça, donc sur le plan professionnel en plus. Dans tous les cas, vous allez vous activer sur la carrière, la profession, peut-être faire des tris, de faire des choix aussi, analyser aussi hein, peut-être des dossiers, voir des trucs d'un peu plus près. Donc, ça vous peut-être va vous demander aussi d'être en lien avec, avec l'extérieur. Voyons. Voyons voir. Alors, la petite tête, j'ai zappé si c'était une coupe ou pas. Donc, alors, vous, personnellement, vous allez aussi faire pas une dépouille de votre mental, mais faire des choix pareils, hein, dans votre tête, des tris comme ça, dans tous les sens, tac, tac, tac. Je vois. Donc, il y a plus de l'organisation. Et c'est aussi pas mal de faire d'avoir un esprit analytique en fait, hein. Donc il est possible qu'il y ait aussi va savoir une forme de spontanéité. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on arrive aussi on arrive aussi vers la pleine lune, hein. La pleine lune qui revient, voilà, il y a un petit retour. Alors on n'y est pas encore, hein, bien sûr, mais la pleine lune, attends, ah, alors est-ce que c'est vous? Ouais, on y va, avec plaisir. Oracle G, c'est vrai qu'elle parle quand même, Béline, elle parle bien, hein, au tout début, elles étaient un peu fâchées avec moi. Alors, l'infortune. Vous allez vous dépouiller, en fait. Hein. C'est comme si on se dépouillait de faire le tri. Hein. C'est ça. Il y a un beau nettoyage, là, quand même. Ce lundi. Alors, ça parle quand même au sujet, peut-être, d'un plan de démarrage. Donc, il y a pas mal d'échanges, pas mal de discussions. Donc c'est pas mal. On essaye aussi, je vois de la négociation plus, hein, parce que on veut aussi investir là quelque part. Donc il y a plus, on parlera plus d'investissement aussi, hein, possible à plusieurs. Tac. Alors la transformation peut-être aussi dans la chez soi. Vous pouvez être aussi appuyé par des membres de la famille ou un membre de la famille si vous voulez déménager ou faire du tri, ou peut-être que quelqu'un fait du tri dans la famille et va vous aider à emménager ou faire des choses nouvelles. Vous-même de votre côté, vous faites aussi du tri, donc ça tombe bien. On pourrait parler aussi d'un ménage de printemps. Donc alors peut-être qu'il y a une tempête pour d'autres ou vous êtes aidé hein, de toute façon, donc il n'y a pas trop le choix entre proches là. Il y a peut-être eu quelques dégâts, donc il faut faire aussi un peu de nettoyage, de rangement et se défaire aussi peut-être de certaines choses, d'objets, voilà. Tac. Alors, ça y est, à la coupe. Ici. Si vous êtes un homme, vous vous renfermez parce que ben, à la fois vous n'êtes peut-être pas bien, vous êtes empêché, malade, vous tombez malade aussi. Quelque chose, ben, ça vous bloque, hein, ça vous bloque. Alors certains, il y en a qui sont peut-être hospitalisés ou vous vous retrouvez dans un centre où vous connaissez quelqu'un qui est ou qui fait un choix peut-être d'être transféré ou... psychologiquement, il est nécessaire de vous retrouver dans une thérapie, de produire des analyses, plus sur le plan, alors on pourrait dire à la fois mental, mais aussi en vous, hein, il y a aussi peut-être un nettoyage de corps, pourquoi pas partir aussi en cure,
ça vous fera du bien. Alors sur le plan, vous l'avez dit, hein, sur le plan mental, spirituel, c'est possible aussi. On verra plus une hospitalisation ou un centre pour se soigner. Il y a des personnes là qui partent, des hommes qui vont peut-être aussi à l'hôpital. Alors, j'avais en plus coupé déjà. Donc, alors, est-ce qu'on continue un petit peu? Pourquoi pas avec Muse. Alors, des échanges hein, qui ont lieu, parce que j'ai avec cette coupe, elle n'aime pas tellement couper, c'est une chanson. Eh bien. Alors, il y a aussi un potentiel, un facteur chance. Pourquoi j'ai la poussière là? Il y a un facteur chance aussi, quelque chose qui permet, vous allez vous voir d'autres perspectives. Et ça peut être aussi une. Comment dire? Ça peut être intéressant. J'ai l'impression que le lundi, on doit faire pas mal de choses. Et tout le monde n'est pas obligatoirement réveillé. Pour. Voilà. Là, on voit de la paperasserie. Voilà, on voit de la paperasserie, une femme aussi, une décision. Peut-être on entendrait parler d'une zone, hein, d'un lieu de bien-être, de santé ou d'écologie aussi. Un centre de nature, un centre de soins, on peut aussi parler de description, d'édition, de médiatisation. Donc il peut s'agir aussi d'un développement, mais pareil, on voit, alors c'est pas obligatoirement de l'informatique, hein, mais un développement quand même qui se fait, et on est sur le terme de peut-être plus de la santé. Voilà, alors on peut aussi parler d'un homme. On s'occupe d'un homme, il y a une femme, une érudite, ou qui écrit au sujet d'un homme. Donc peut-être qu'il y a aussi un avocat ou une avocate. On veut aussi parler peut-être du peuple ou de la protection de l'humain. Et c'est possible aussi, protection animale. Elles n'ont pas envie de genre. Protection animale, protection de l'humain, protection de la nature, protection des plus faibles. Voilà. Et donc, il y a une femme qui réussit aussi. On voit qu'une. Alors, sur le corps scientifique aussi, hein, il y a une réussite, mais limite, on se demande comment c'est possible, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner, parce que peut-être aussi une acceptation de ce qui aura été proposé. Il y a des propositions comme ça qui sont acceptées. Donc, ce lundi, il y a pas mal de choses quand même. Hein. C'est pour ça qu'avec Pluton, il y a du tri. Mais du tri analytique, hein, et avec de sacrées analyses, parce que un peu du tri décisif aussi, mais il y a de l'appui. Hein. Alors même en famille, que ce soit à titre privé, à titre professionnel, on dit là, les énergies sont là pour apporter du bon, vraiment. Donc c'est plutôt bien, hein. Peut-être que là au-dessus de nos têtes, on nous dit aussi maintenant qu'il y a des choses, on est aidé à accélérer aussi certains processus. Et donc on ouvre aussi la porte au bon sujet. Et là, ce lundi, ça a l'air d'être passionnant, fécondité. Ça a l'air d'être d'être dans les tuyaux, voilà, dans les cordes. C'est bon alors, c'est du bon. Alors, par contre, il y en a qui vont dégager, hein, très vite. Hein. Culpabilité, fatalité. Il y a aussi des dénonciations claires, nettes, précises. Ça ne m'étonne pas. Il y a un côté peut-être radical aussi. Hein. Voilà. Donc là, on va voir pour cette autre perspective. J'en ai deux là. Voyons voir avec celle-là. Voilà. Ici, c'est parti. C'est parti, mon kéké. Trafic, la route. Alors, un homme qui vient ou quelqu'un qui s'engage dans l'immobilier aussi, comme je disais, peut-être qu'il s'agira aussi d'une firme où on veut s'implanter, des entreprises. Il y a des échanges comme ça, mais vous prenez aussi la route pour voir, hein, vous déplacer, voir ce qui s'y passe. Alors, on parle de commerce quand même, d'échanges commerciaux, des affaires.
Pas mal de ça bouge quand même, hein, ça bouge pas mal. Alors sur la route, il y aura peut-être du monde hein, aussi, hein, mais c'est pas, c'est, je dirais qu'on verra plus du monde qui est sur la route pour les affaires. Voilà. Donc on y arrive, hein, vous arrivez aussi sur un lieu là prédestiné dans les entreprises, prédestiné à l'entreprise et visite. D'entreprises, de groupes, d'organismes. Et là, vous allez découvrir. Alors, on avait dit que c'était une autre histoire. Je ne sais même plus de quoi il s'agissait. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui est désigné, quelqu'un qui est, pas accusé, mais il y a une personne qui est pas... Elle n'est pas obligatoirement trahie, là. Hein. Mince, pourquoi ? On est en train de dire... de dénoncer une personne. Il y a quelqu'un qui se fait dénoncer, et là, c'est l'effet boomerang. C'était évident, il fallait le faire, là. Donc, ce lundi, on voit bien que... Alors, vous prenez vos distances. Si vous avez divulgué quelque chose hein, d'une personne, c'était certainement important, c'est clair, hein, c'est quelque chose qui arrive de loin, ou que vous avez vous-même provoqué au loin, ou cette personne-là, vous l'avez vue, hein, c'était une affaire, il s'agissait de quelque chose qui s'était produit là, il y a quelque temps, ben, ça revient maintenant sur le tapis, ça y est, hein, là il y a quelque chose qui prend cours, hein, parce qu'il y a un beau travail qui a été mis en œuvre. Hein. Donc on est en train de reprendre peut-être une affaire ancienne, quelque chose qui a été mis comme ça sur le tapis, hein, le parvis même. On a chopé une personne, il y a de nouveau un retour. Hein, il y a un retour et on reprend le travail là. On reprend le travail, on reprend limite depuis le début. Vous reprenez depuis le début. Donc là, ça sent des affaires qui sentent le roussi et maintenant sur lesquelles on met un terme. Vous mettez un terme vous mettez un terme sur. Vous allez faire en sorte, en tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'on fait en sorte que cette affaire s'arrête une fois pour toutes. Et donc on revient peut-être dessus pour mettre les choses maintenant dans le bon ordre. Voilà. Donc s'il y a une erreur aussi qui a été faite, peut-être une erreur de justice ou quelque chose comme ça, et bien maintenant on peut remettre aussi en avant et avancer à ce niveau-là pour réajuster aussi le tir. Hein. Pourquoi ? Parce que il y a des affaires qui sont élucidées. Donc comme c'est élucidé, c'est plutôt bon. Alors là, on pourra dire que on va parler aussi peut-être d'une situation, d'un trafic vraiment hein, réel, médiatiquement. Là, il y a une affaire qui remonte, hein, qui revient. Donc voilà, on voit le panneau là, hein, on voit le panneau. Donc il y a peut-être, encore une fois, hein, même du trafic. On est en train de prendre quelqu'un. Il y a un traquenard là, il y a quelqu'un qui va se faire avoir, ça c'est possible aussi, voilà. Et ça a été décidé par une personne assez élevée, assez importante, ou alors avec une firme qui a beaucoup d'importance, voilà. Donc alors sur la route, on vous dit quand même aussi, pour certains parmi vous, faites attention, disons, à votre véhicule, hein, il y a peut-être un petit retour là une petite panne ou quelque chose comme ça. Alors ici, on pourrait dire aussi qu'il s'agit de vous, si vous êtes une femme, il y a une décision, il y a quelque chose qui revient vers vous, une affaire qui revient vers vous aussi, longue distance, mais on voit un bon départ. Alors, on vous propose aussi de faire un travail un peu plus personnel encore, peut-être de chercher dans des papiers, etc. De remonter peut-être la machine du temps. Il y a des trucs à refaire, des points, certains points de nouveau à élucider. Il y a peut-être une proposition aussi sur du long terme ou par rapport à une maison. Ou un appartement, un placement immobilier plutôt, pardon.
Donc, vous allez peut-être devoir y aller. Ou, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas trop convenable. Hein. Donc, voilà. Et bien, là, il faut aussi reprendre, remettre ça en avant pour aller vers un nouveau départ. Et donc, le choix du départ. Voilà. Votre choix, ce que vous souhaitez peut-être aussi faire pour ajuster, on va dire, un peu cette chose-là. Vous avez peut-être vu un lieu qu'on vous a proposé et en fait ça ne vous convient pas. Donc là on vous dit c'est bien de peut-être de l'écrire, de le transmettre aussi, hein, parce qu'on voit les médias, les papiers. Alors certaines personnes, hein, vous êtes peut-être journaliste aussi, vous allez pouvoir aussi dénoncer des situations là. Donc c'est bien parce que vous voyez que dans certains lieux il y a des choses qui sont pas pas bonnes là, et donc vous pouvez faire en sorte que les choses se remettent en place, hein, voilà. Mais parfois c'est aussi nécessaire de voir que le monde des médias peut aussi mettre la main à la pâte en toute honnêteté et par bonne conscience aussi, hein, voilà. Alors il y a un conflit d'intérêts très certainement. Maintenant il y a sur une source d'infortune ou sur une perte, et j'aurais tendance à dire aussi qu'il peut y avoir des litiges qui ne rapporteront rien. C'est presque caduque, hein, j'entends une histoire qui peut aussi être caduque. Donc ne vous inquiétez pas aussi de votre côté. Il y a un destin aussi avec une femme là, hein, peut-être dans une préparation, encore une fois sur l'immobilier ou un travail d'écriture aussi sur le long terme. Donc il faut avoir aussi ce caractère, cette force, cette vue. On voit bien que ça peut être aussi long, hein, il y a des choses à mettre en place, c'est pas de tout repos, hein. Mais vous êtes quand même bien accompagné, et ce qui est important, c'est, alors même si vous êtes une femme ou un homme, hein, on pourrait aussi le dire, peut-être que vous êtes un homme et vous obtenez une entreprise, une édition, il y a pas mal de choses. Vous pouvez travailler dans le journal, mais là c'est vrai qu'on pourrait voir aussi plus du journaliste, ou aller sur le terrain, voir dans des zones géographiques, aller sur le terrain et parler en profondeur. Alors il y a aussi des distances. On part sur une nouvelle voie aussi, sur une nouvelle route. On puise dans la vérité, en fait. Hein, quand il y a la reine de parchemin qui le reflet, on peut aussi puiser dans la vérité. Et ce qu'il y a de génial, c'est que, là, en carte du milieu, hein, ce qu'il y a de génial, c'est que vous obtenez une sacrée aide, un appui vraiment important. Alors, il peut aussi s'agir d'un lieu lointain qui peut vous appartenir sans que vous le sachiez vraiment. Et ça y est, maintenant, vous le découvrez. On vient vous le dire. Et vous allez peut-être vous préparer aussi à aller voir ou faire des recherches sur ce lieu-là. Voilà, voilà. Quelque chose s'est terminé dans un lieu aussi géographique. Là, ça se finalise, hein. On prend un terme sur le mauvais plan pour aller vers un renouveau. Donc il y a aussi peut-être une rupture de contrat qu'on voit qui se fait là en cours de route. Hein, ça se sent, vous le voyez de toute façon arriver. Quelqu'un prend aussi peut-être votre place. Il s'agit aussi peut-être d'une entreprise de papeterie, une entreprise de médias, voilà. Donc là c'est pareil, hein, peut-être qu'il y a une nouvelle antenne aussi. Bon, c'est comme ça, vous le savez, les choses sont mises sur la table. Alors, il y a quand même une belle fin, hein. Ça s'arrête, ça finit plutôt bien. Et parmi vous, vous avez aussi un nouveau contrat, en fait, vous commencez autre chose. Alors, peut-être plus singulier, mais en tous les cas, ça a l'air d'être votre bonne voie, voilà. Donc, même si vous ne savez pas où vous allez exactement, laissez le courant vous emmener, restez bien, faites le tri au maximum en tous les cas. Donc, débarrassez-vous de certaines choses, hein, parce que vous allez aussi sur un nouveau, quelque chose de tout nouveau, tout beau. Gardez confiance en vous, vous avez le savoir, la maturité, vous avez le Pentium et le PC dans votre tête. Hein. Alors, ou alors, vous allez aussi peut-être récupérer, encore une fois, des archives, des papiers, des dossiers, des choses comme ça, pour travailler un peu plus, avec plus d'ampleur. Vous récupérez des archives, et ça y est, maintenant, il est temps de vous mettre au travail. C'est plutôt beau. Voilà.
C'est plutôt beau. Ah, très très bon, très très bon. La force est avec vous en plus. Vous avez donc la force, la capacité, le soutien pour... on pourrait vraiment, on peut voir quelqu'un qui écrit aussi. Alors, je parlais d'une thérapie. C'est possible aussi hein, que vous devenez vous-même thérapeute là. Et vous vous préparez peut-être aussi à devenir un thérapeute hors pair, hein, je dirais presque, parce que là, il y a toute cette puissance qui arrive. Et c'est un peu comme si vous êtes entouré par le bon professeur, les bons enseignants. Vous avez un très bon enseignement là, mais aussi, il est possible que vous-même, vous êtes en train d'écrire pour enseigner en toute puissance. C'est une histoire de temps. Ça y est, c'est un début. Vous commencez à travailler, à faire quelque chose de nouveau à partir de ce lundi-là. Ça va assez vite. Hein. Limite, dans cette journée, je ne dirais pas que c'est toute une vie qui est là, mais... il y a un sacré boulot, voilà. Donc vous voyez loin, avec la profondeur en vous-même, c'est vraiment inscrit. Sacré beau travail. Ne doutez pas de toute façon de vos facultés. Combien même vous doutez, vous n'avez pas le temps d'y penser, parce que là, vous lâchez prise totalement. Il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts réellement, proprement dit, parce que à la fois vous avez tout perdu, ou derrière, c'est derrière, ou de toute façon, vous êtes obligé à vous propulser en avant, là, ça y est, hein, vraiment, hein. Ça se met, hein. On a la table, la bibliothèque akashique, la naissance, le travail, le temps, Saul, initiation, Saint-Germain, la beauté au-dessus, avec le 2 de force, le Saul qui est vraiment là, on a cette force, cette énergie, la beauté, l'accompagnement, l'écriture, c'est possible, transmettre, c'est possible, la parole, c'est possible. La connaissance avec Hilarion, le reflet, on est vraiment dans ces profondeurs. Vous ressortez la reine de parchemin, le côté intellectuel, le savoir, l'écrit. Je parle de l'écrit parce que vraiment c'est là. Mais on peut aussi être très fort en immobilier. Hein. Donc il y a aussi peut-être des contrats immobiliers qui se préparent. Vous voyez des lieux en fait, qui peuvent être, disons, très intéressants. Et vous dites, non, en fait, ces lieux-là, là, on ne les veut pas. On les a vus, c'est un peu trop loin. On reprend depuis le début. Et là, on vous dit que ça y est, vous êtes sur la bonne voie. C'est très, très bien. Donc, pareil pour les entreprises, pour l'habitat, l'habitation, les propriétés. Eh bien, c'est la même chose. Vous allez, en lâchant prise, en voyant que ça a déjà aussi une histoire, hein, vous connaissez déjà, c'est déjà du mâché, du pré-mâché. Non, il y a eu une erreur là. Hein. Donc, il faut mettre un terme à ça et vous allez prendre de l'avant. Donc, ça vous occupe quand même. Hein. Ce tri-là, il vous occupe 3/4 de la journée, hein, faut le savoir. Hein. Donc, pour être sur de bonnes bases, voilà, vous commencez seulement dans la fin de journée, ou alors il y a seulement un quart de ce que... de tout votre tri, vous pouvez jeter les 3/4 et garder le quart. En gros, hein, c'est ça. Voilà, c'est dit, emballé, c'est pesé. Je vous dis au prochain tirage. Et puis avec toutes ces infos, j'espère que vous allez y arriver. À très vite.